Tu avais raison, c'est magnifique. Mmh. Tu as vu là-haut? C'est un fort espagnol. Mmh. Il surplombe toute la baie. Alors, tu avais l'habitude de venir là avec Fritz? Il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat. C'est vrai que c'est un endroit charmant, mais... Pourtant, c'est un endroit mystérieux. Et puis, nous étions des gosses. Je me rappelle qu'ici même, un été, on avait trouvé le cadavre d'un chien. Quelqu'un avait dû... Je t'en prie. Le clébard avait été étranglé. C'était horrible à voir. Ça m'avait retourné. Heureusement, Fritz avait... Arrête! Christian, il y a le corps d'une femme. Là-bas, regarde. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je m'excuse, j'ai cru... C'est que nous avons cru que vous étiez morte. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est sûrement à cause du soleil. Je me suis évanouie, j'ai dû perdre la mémoire. Est-ce que vous sentez mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Je suis navrée, je m'appelle Barbara. Moi, c'est Xenia, et lui, Christian. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un double scotch, pour reprendre les forces. Je m'en occupe. Ça ne serait pas prudent de laisser toute seule de belles filles sur la plage. Qu'est-ce qui vous a fait croire que j'étais morte? On parlait justement d'un chien qui avait été étranglé ici. Et alors? C'est ce qu'on appelle la force de suggestion. Vraiment? D'où venez-vous? Je... Christian? Où est-ce que tu as mis la bouteille? Excusez-moi. C'est la fille. Elle est partie. Qu'est-ce que c'est? Tucania. C'est quoi? Ça ressemble au nom d'une ville étrusque ou au nom d'un perroquet exotique. Oui, allô? Oui. Vous êtes bien sûr? Vous voudriez répéter? Tout cogne. Salut! Hé, hey, ton sac! Merci chérie. À tout à l'heure. À plus tard. Salut tout le monde. Salut ma grande, comment ça va? On ne peut mieux. Ravi de l'entendre. Salut. Tu l'as vu? Santé. À la tienne. Chérie, j'ai très envie de toi. Chut, ma femme. Allez chérie, on va faire un petit tour, hein? Vous auriez du feu? C'est un bateau sympa. Une fête sympa. Tout est sympa. C'est gentil. D'autant que vous avez l'air de vous ennuyer, c'est gentil. Est-ce que vous accompagnez quelqu'un? Votre visage m'est inconnu. Quand je me baladais, j'ai vu ce nom, Tucania. Je suis curieux.
Qu'est-ce que c'est, un oiseau? Non, un yacht, le mien. Vous connaissez Barbara? Pourquoi? Vous l'avez regardée et j'ai cru deviner une certaine complicité. Vous faites fausse route. Vous auriez une aspirine par le plus grand des hasards. Pourquoi, tu te sens mal? Non, rassure-toi, j'ai juste mal au crâne. Oh non, Alex! Ne t'en fais pas, je ne suis pas enceinte. Prenez un verre. Je suis heureuse de vous revoir. Venez avec moi. Nous trouverons une aspirine. Vous êtes fâchée? Vous ne voulez pas savoir pourquoi je me suis enfuie de la sorte? Qui est Alex? Disons que c'est un ami. Riche, possessif, sympathique, et qui tombe amoureux de moi. Pauvre Alex. La courtoisie doit être hélas un de vos points faibles. Je sais. Que vous le croyez ou non, vous m'inspirez de la courtoisie aussi. De la gentillesse et de la tendresse. C'est drôle, c'est loin d'être le genre de réaction que je provoque d'habitude. Vous me plaisez, c'est tout. Je suis très sérieux. Vous ne laissez jamais tomber. Je me trompe? On se croira en plein jour avec cette pleine lune, ça ne vous dérange pas? La lune ne pénètre jamais dans ma chambre. J'avais raison. Vous êtes la tentation faite femme. Allons jusque dans votre chambre. Mais vous devrez raser votre barbe avant toute chose. Pardon? La tentation faite femme ne demande pas à être payée, mais elle a ses principes. Vous êtes folle. Si je le voulais, on ferait ça ici. Et vous seriez heureuse même avec cette barbe. Il y a un rasoir dans ma chambre d'hôtel. Beau, rasé de près et sexy. Qu'est-ce que ce sera? Un café, s'il vous plaît. Allons à l'intérieur. Vous voulez vraiment que je le fasse? Oui. D'abord parce que vous piquez quand vous m'embrassez et parce que je ne me fie pas aux hommes qui portent la barbe. D'accord, d'accord. Ce n'est pas la première fois pour mon travail que je dois changer d'apparence. Et qu'est-ce que vous faites? Du plastique. Je suis le principal actionnaire des manufactures de mon frère. Est-ce que je vous pose trop de questions? Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Pendant que vous vous rasez, je m'occuperai de l'atmosphère, d'accord? N'éteignez pas toutes les lampes. Ça va comme vous voulez? À bien y réfléchir. Vous savez quoi? Si vous voulez garder votre barbe, en fait, elle vous donne un certain genre. Moi qui ai commencé à trouver ce petit jeu amusant. Si vous essayez de me décourager, sachez que je jouerai le jeu jusqu'au bout. Parfait, alors dans ce cas, continuez.
Je crois que vous êtes une femme exceptionnelle, une femme capable de miracles. Fermez la porte, voulez-vous? Je suis timide. Silence, et faites ce que je vous dis. Écoutez, l'ami qui que vous soyez, vous devez faire erreur. Non, mon cher, je ne fais jamais d'erreur. Ça, c'est pour la fille. Écoutez, pour Barbara et moi... Sale petite merde. Vous croyez que vous allez sauver votre peau en trahissant cette petite traînée? Vous n'en ferez rien. Je ne vous tuerai pas. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous êtes venu me descendre. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous vous en prenez la salle de bain? Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Je viens de tuer un homme que je n'avais jamais vu. C'est impossible, vous plaisantez. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Un homme? J'ai tué un homme! Si vous voulez me croire, venez le voir. Peut-être que vous savez qui c'est, ou qui c'était. Non, je bougerai pas d'ici. Nous devons appeler la police. Non, ce serait trop difficile à expliquer. Ils ne nous croiront pas, ils ne nous croiront pas. D'abord, il faut nous entendre exactement sur ce qu'on va dire. Mais je n'appelle pas la police, je veux appeler mon frère. Le plus prudent, c'est de n'appeler ni votre frère ni la police. Peut-être qu'on ne devrait appeler personne, en fait. Disparaissons de cet hôtel. Allons-nous-en loin d'ici, nous déciderons ensuite. Prendre la fuite? Oui. C'est vous qui l'avez dit, ce serait trop difficile à expliquer. Faites vite. Évitons une scène, d'accord? Ce serait désagréable pour tous les deux. Monte dans la voiture. Que veux-tu, Alex? Je veux que tu rentres avec moi. C'est à elle de décider de vous suivre. Tu t'es assez amusé. Monte dans la voiture. Où est-ce que vous l'amenez? Prendre un verre. Vous nous accompagnez? Nous pourrions sûrement tirer au clair les événements de cette nuit. Veuillez nous suivre. Allô?
alors, tu t'amuses, hein? Mais ce genre de jeu n'est pas de mon goût, Alex. Qu'est-ce que tu espères gagner avec ça? Toi. Pour l'amour du ciel, Christian, qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous avez assassiné quelqu'un. Et de quoi est-ce que vous parlez? Vous m'avez entendu. Pourquoi nous suivez-vous? Je suis sûr que c'est vous. Christian! Christian, conduisez-vous en adulte. Gardez votre calme. Ma chérie, tu m'accompagneras à Monte-Carlo demain matin. Changer d'air te fera bien fou. La chaîne. La médaille. J'ai dû perdre la médaille à l'hôtel. Alors, qu'en dis-tu? Toi, tu restes avec moi et notre ami Christian reste ici même. S'il ne veut s'attirer aucun problème, ok? Il faut le voir pour le croire. Notre jeune ami n'est pas aussi bête qu'il en a l'air. Que c'est que cette saloperie? Un mannequin, on l'a trouvé attaché à un arbre. C'est pas croyable. Ouais, avec un couteau planté dans le dos. Allô? Oui? C'est Christian. Est-ce que mon frère est toujours dans l'usine? Est-ce que vous avez vu l'heure qu'il est? Monsieur Christian, je suis le gardien de nuit. Il n'y a plus personne ici. Rappelez demain. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me suis enfuie. C'est un camionneur qui m'a conduite ici. On faisait route vers le motel quand j'ai reconnu ta voiture. Tu as retrouvé ta chaîne? Tu es tiré d'affaire? C'est pas sûr. Foutu cadavre. Il a disparu. Il s'est volatilisé. Mais ce n'est pas possible, tu en es sûr? Ce n'est pas tout. L'arme aussi a disparu. Il n'y a plus que du sang. Mais ça veut dire qu'il est simplement blessé. Tu as cru qu'il était mort. Il est vivant. À moins que quelqu'un ait emporté le corps. Tu penses qu'il avait un complice? Je n'en sais rien, je sais que c'est absurde, mais je suis incapable de l'expliquer autrement. Peut-être qu'il en avait après quelqu'un d'autre et que c'est un malentendu. Après qui? C'est peut-être Alex, ce qui expliquerait sa visite nocturne. Je ne voudrais pas que tu sois impliqué. Va-t'en. Christian, écoute-moi, je suis déjà impliqué dans cette histoire. Tout cela s'est hélas passé dans ma chambre d'hôtel. Nous devons nous en sortir ensemble. Mais est-ce que tu réalises que s'il est seulement blessé, il reviendra me tuer? Et si tu l'as tué, c'est qu'il a un complice et cette personne pourrait être à tes trousses et pourrait vouloir te tuer, Christian. Je ne te laisserai pas seule. Je t'en prie, Barbara. Nous devrions nous cacher. Le temps de reprendre nos esprits. Je sais, je connais une fille qui a une villa à quelques kilomètres. C'est une peintre brésilienne. Elle s'est rendue à Rio la semaine dernière. La maison est vide. Est-ce que tu as les clés? Non, mais on trouvera le moyen d'y entrer. Écoute, c'est bien la dernière fois que je te le dis. Je ne veux pas que tu sois mêlé à tout ça. Mais si on reste tous les deux, on ne risque rien. Fais pas de bruit. Pour l'amour du ciel, je te l'ai déjà dit, il n'y a personne ici. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'effraie.
C'est une mauvaise idée, allons-en. Oh, Christian, qu'est-ce que tu racontes? Il nous faudrait un pied de biche. Est-ce que tu en as un dans la voiture? Que je dois payer les vitres cassées. Tu dis que ton ami est peintre. Oui, pourquoi? J'en sais rien. Sa maison est si triste. Disons plutôt que c'est elle qui a le vin triste. Semblerait que quelqu'un vienne de boire. C'est probablement le gardien. Il vient ici de temps en temps. Il s'assure que tout va bien. On ferait bien de jeter un œil. Les oiseaux de proie. C'est la grande passion de mon ami Pat. Le coup de fil devait être pour elle. Personne ne sait que nous sommes ici. C'est mieux. Barbara. Qu'y a-t-il? Viens voir. Que se passe-t-il? Regarde. Je ne crois pas qu'il nous ait vu arriver. La voiture est garée de l'autre côté de la villa. Quelque chose. Mais c'est ridicule. Écoute, je parie que c'est juste une coïncidence, oui. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Du sang-froid. C'est probablement un touriste qui regardait la villa. Il faisait un tour en bateau, et la villa a attiré son attention. C'est nous qui le regardait, j'en suis sûr et certain. Non.
Ça ne sert à rien. J'ai essayé tous les interrupteurs. Peut-être qu'ils ont coupé l'électricité. Cette obscurité va me rendre fou. Il faudrait mettre la main sur le compteur, mais je ne sais pas où il se trouve. Tu as regardé dans le garage ? Ah, non, tu as raison. J'y vais tout de suite. Attends. J'irai avec toi. Regarde. Du calme, ce n'est que le vent. À votre place, je n'irai nulle part. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est à vous qu'il faudrait demander ça avant que j'appelle la police. Vous n'avez rien à faire chez moi. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas chez vous. Non, vous avez raison. Nous ne sommes pas chez nous. Nous avons loué cette résidence à son propriétaire, n'est-ce pas, Clorinda? Oui, c'est vrai. Je m'appelle Malcolm, et vous êtes des intrus. Pourtant, je vais vous traiter comme mes invités, quitte à ce que cela vous semble étrange. Je dois admettre que vous avez l'air inquiet, oui, qu'y a-t-il? Vous étiez sur le point de commettre un crime, peut-être? Vous auriez dû me dire que vous étiez une amie de la propriétaire, et vous dites que vous vous appelez? Barbara. J'ai toujours aimé les maisons comme celle-ci. Ça peut paraître ridicule, mais je serais heureux de mourir dans un tel endroit. Loin du chaos du monde moderne. Après tout, si la mort n'est que la continuation de la vie, alors c'est bien ici que j'aimerais mourir. Pourquoi est-ce que vous parlez de la mort? Oh, veuillez m'excuser. C'est parce que Clorinde et moi sommes sortis hier soir. Et après le dîner, nous avons rejoint un ami et inspecteur qui est sur un homicide. Cet inspecteur était dans un motel des environs. Comme il sait que toutes ces histoires m'intéressent... Il m'avait appelé, j'espère bien ne jamais revoir une telle scène. L'assassin, c'est moi. J'ai tué cet homme dans ce motel. Il m'a attaqué par surprise. J'ai juste essayé de lui retirer son revolver. Et le coup est parti tout seul. Oh ouais, ouais. C'est bien vrai ce qu'il dit? Oui, mais ne me demandez pas qui était cet homme ou ce qu'il faisait là-bas, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Pourtant, vous étiez ensemble dans cet hôtel, si j'ai bien compris. Êtes-vous sûr que l'intrus n'était pas une femme? Ouais, ça ne fait aucun doute. Je l'ai vu mourir. C'était un homme, ouais. Une mauvaise farce, Christian. Une farce? Aucun crime n'a eu lieu dans cet hôtel. Tout ce que j'ai vu, c'était un mannequin, une femme en latex. Une imitation très réussie. Il a été retrouvé entre les branches d'un arbre, à côté de la route, avec un couteau dans le dos. J'ai tué un homme dans la salle de bain de Barbara, voyons. C'est vrai, Christian tenait un revolver. Vous l'avez vu tirer? Eh bien, non, mais il est venu ensuite. Vous avez au moins vu le corps dans la salle de bain? Le cadavre? Bien, je n'ai pas vu le cadavre, mais j'ai vu Christian lorsqu'il sortait de la salle de bain. Mais je vous dis que le corps a disparu. Une heure plus tard, je suis revenu, le corps s'était volatilisé. J'ai moi-même souffert d'hallucinations, rien n'est plus troublant.
Vous vous sentez mieux? Ouais. Moi aussi, je suis sur le point de devenir folle. Nous ferions bien de nous en aller. Peut-être que ton frère Fritz pourrait nous aider, lui. Non, attendons. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vous connaissez peut-être un certain Alex. C'est qui? Laissez tomber. Je crois que nous ferions mieux de nous en aller. Oubliez que vous nous avez vus. Ce n'est pas la solution, je vous fais confiance. Vous devriez faire la même chose. Vous parlez de confiance. Qu'est-ce qui vous empêchera d'appeler votre bon ami? Votre ami policier? Pour me retrouver impliqué dans cette affaire, moi aussi. D'après vos deux témoignages, tout porte à penser qu'il n'y a eu ni crime ni cadavre. Je ne vais pas vous accuser de tuer des fantômes dans la nuit, ou vous accuser d'avoir refroidi un intrus qui n'a jamais existé. Ce regard, je... Je m'excuse, j'ai l'impression que je perds la raison. Mais je veux comprendre, je veux savoir où est le corps! Christian! Christian! Laissez-le, il n'ira pas très loin. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous me suivez? C'est loin d'être mon intention. Je vais voir un collègue. Il travaille dans le phare qui est derrière vous. Si vous cherchez le Tucania, il a levé l'angle ce matin pour Monte Carlo. Je me faisais un sang d'encre. Que se passe-t-il maintenant? Gardez votre calme, l'alternateur ne fonctionne plus très bien, ça arrive de temps en temps. Il manquait plus que ça, on va devoir rester dans le noir toute la nuit! Chut! Écoutez, est-ce que vous avez entendu? Il y a un revenant dans le coin? Oh, je t'en prie! Je suis sûr que c'est pas grand-chose, des rats qui se promènent dans le grenier. Alors je devrais y aller? Non, je vais aller voir ce qui se passe, c'est rien. Servez-vous un bon whisky, Christian. Nous avons la mauvaise habitude de laisser toutes les portes de la maison ouvertes. Merci de nous le dire, c'est rassurant. Ah,
Et si l'homme que j'ai tué a décidé de... Non, Christian, c'est impossible. Alors ? J'avais raison. Il semblerait que l'alternateur nous ait fait faux bond, allez savoir pourquoi. Je vais essayer de le réparer demain matin. Lorinda, j'ai l'impression de vous connaître. Christian, nous pouvons encore nous en aller. Je suis trop fatigué, Barbara. Nous partirons demain à l'aube. D'accord, comme tu voudras. Et voici votre chambre, Christian. Le lit est à l'étage. Je pense que vous y serez à l'aise. Je vous laisse la clé. N'hésitez pas à nous réveiller avant de vous en aller. À demain, alors. Bonne nuit. Où est-ce que tu étais passé? Tu étais parti à la recherche d'Alex? Ouais. Est-ce que tu es sûr de ce qui s'est passé? Aurais-tu tout imaginé? Je n'en sais rien. Je ne comprends plus ce qui se passe, Christian. J'avoue que j'ai du mal à te suivre. Je suis désolé. Je suis désolé, Barbara. J'aimerais comprendre moi-même. Je vais devenir folle! Ton innocence. Mais moi aussi, je ressens quelque chose pour toi. Je ne peux pas te mentir. Va dans ta chambre maintenant. Il faut que tu dormes. Je voudrais être plus fort, Christian. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Non, ne continuez pas. Je ne voudrais pas que la fille soit impliquée dans ce foutoir. Je parle très sérieusement, Lucas. On s'en débarrasse? Non, ce n'est pas la solution. Et à vrai dire, tout cela commence à m'inquiéter. Voyez-vous ça? Qu'est-ce qui vous inquiète? Je ne vous suis pas. Vous le savez autant que moi, ce qui pourrait se passer, c'est ça ce qui m'inquiète. Pourquoi? Rien de fâcheux ne peut nous arriver. Notre scénario est parfaitement rodé, nous ne courons aucun risque. De toute façon, ce type ne marche pas, il court. Thank you.
un rêve? Une hallucination? Ça peut arriver à tout le monde, voyons. Mais je suis réelle. Mais vous... J'y suis. Tout est clair, enfin je vous remets. Mais alors... Alors votre nom n'est pas Clorinda, votre nom est... Visiblement, je ressemble à quelqu'un que vous connaissez. Est-ce que vous avez oublié? J'étais avec mon frère, c'était il y a 2 ans, nous étions tous les deux, Fritz et moi. Non, Christian, c'est une méprise, mais ça n'a pas d'importance. Vous êtes étrange. Je vous ai observé toute la matinée, vous savez. Je ne suis pas étrange. C'est vous. Vous tous qui l'êtes. De qui parlez-vous? Pourquoi faites-vous cela? Quoi donc? Pourquoi est-ce que vous êtes venu coiffée et maquillée comme ça? Simplement pour me dire que vous n'êtes pas celle que... Je suis juste venue vous dire que je vis ici. Que j'adore les fleurs. Et que le soir, je laisse mes cheveux détachés. Qu'y a-t-il de si étrange? Je préférais que vous me parliez de Malcolm. Oui, je pourrais le faire. Vous êtes un homme compliqué. Je prétends seulement vous soutenir moralement. C'est lui? Venez regarder. Il y a un autre homme avec lui. Je ne vois rien, Christian. Puisque je vous le dis, cet homme est avec Malcolm. Ouais. Bien sûr. C'est bien cet homme. Avec mon père, oui. Malcolm ne s'éloigne jamais de la villa sans m'en avertir. Dites-moi qui vous êtes réellement. Pourquoi m'offrez-vous votre aide? Vous me faites mal. Dehors. Non. Non. Restez. Je vous en prie, j'ai besoin de vous. Je me fous de savoir si vous êtes comme les autres. Laissez-moi! Oh. Que se passe-t-il, Christian? Où est Barbara? Je n'ai pas pu la retenir, elle est partie tôt ce matin. Pourquoi elle ne m'en a pas parlé? Elle a ses problèmes et vous les vôtres. S'il vous plaît, ce n'est pas à Barbara qu'il faut penser, mais à vous et à rien d'autre. Je suis en train de vivre un cauchemar. Et vous, Malcolm, vous faites partie de ce cauchemar. Si vous pensez que tout le monde ici est votre ennemi, alors je vous conseille de vous en aller et de ne plus revenir. C'est vous qui faites ce cauchemar, il ne tient qu'à vous d'ouvrir les yeux. Oui, je sais, mais avant il faut que je trouve Barbara, que je l'emmène avec moi. Excusez-moi, Christian, mais est-ce que vous avez besoin d'elle ou est-ce que vous ne lui faites pas confiance? Attendez un moment. Je crois que... je commence à ouvrir les yeux. Hier soir, c'est comme si une porte... un recoin de ma mémoire s'était ouvert à moi. Considérez-moi comme un vieil homme assez fou... pour vouloir vous aider à ouvrir complètement cette porte entrouverte. Fou? Pourquoi faudrait-il être fou pour vouloir m'aider? Dites-moi la vérité, vous avez rappelé votre frère Fritz? Non. Non, tout ce que je voudrais...
m'en sortir, tout seul. Pour une fois dans ma vie, ne pas faire appel à mon frère. Bravo. Bravo? Non. Non, j'ai peur de ce qui pourrait se passer. Fritz a toujours essayé de me protéger, essayé de m'aider. Et cette fois, je... J'ai une confession à vous faire, Christian. Lorsque je vous ai vu pour la dernière fois, certains de mes souvenirs sont remontés à la surface. La mort d'un riche industriel, son violent suicide plutôt. Les étranges circonstances de sa mort et... Surtout, ces deux petits garçons sans témoin de la tragédie. Je savais que vous ne m'étiez pas étranger. Je dois partir. L'un des garçons s'appelait Wolfried. Et l'autre, Christian. J'étais reporter à l'époque et c'est moi qui avais dû couvrir le cas. Une image m'a hanté pendant longtemps, des années après avoir écrit l'article. Le visage du fils le plus jeune, son regard livide. Cet enfant, Christian, c'était vous. Je n'aurais jamais dû croiser à nouveau ce regard jusqu'à la nuit dernière. J'adorais mon père plus que tout au monde. Lorsqu'il est parti, mon frère et moi, nous sommes retrouvés seuls. Ça a été horrible. Et plus horrible encore que ce que vous ne pouvez imaginer. Je suis seule. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Comment ça, tu n'as rien à m'expliquer? J'ai peur de ce qui pourrait se passer. Non, il ne m'a... Pas la peine d'insister, c'est fermé. Avant toute chose, où avez-vous essayé de cacher Barbara? Je suis à sa recherche, je crois qu'il l'a trouvé ici. J'ai commis une erreur, oui. Je n'aurais jamais dû la laisser partir l'autre jour. Écoutez, Barbara représente énormément pour moi. Je ne vous permettrai pas de l'éloigner d'ici. Alors ce gorille est venu sur vos ordres? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout ce que je sais, c'est que Barbara court un grand danger avec vous. Je finirai par la retrouver. Vous êtes prévenu. Foutez-lui la paix! Lâchez-moi, arrêtez! C'est elle qui doit décider. C'est probablement déjà fait. Allez raconter vos malheurs à votre frère. Essayez de ne rien faire de stupide. Ou je pourrais perdre la tête. Elle a ses problèmes et vous les vôtres. S'il vous plaît, Christian, arrêtez de penser à Barbara. Je ne suis pas une femme forte, Christian.
Vous avez besoin d'elle ou vous ne lui faites pas confiance? Barbara! Barbara! Barbara? Il n'y a rien à voir là-dedans. Malcolm! Qui était dans cette voiture? Où est-elle? Malcolm, j'ai besoin... Malcolm? Du calme. Ce ne sont pas des balas blancs cette fois. Vous? Mais c'est impossible! Vous et Malcolm devenez un peu trop curieux. Et Malcolm en a payé le prix. Qu'est-ce que vous avez fait à Barbara? Je ne tue jamais de femme. Je me suis seulement débarrassé de ce vieux renard, si vous voulez tout savoir. Alors on va être obéissant, hein? Et on va monter dans la voiture. Assez parlé, grimpez dans la voiture. Allez! Allez, plus vite! Démarrer. En route. Tournez à droite. Pas de conneries, hein. Regardez la route. Approchez-vous du bord. Allez. Les fous, ils pensaient qu'il suffirait de vous faire peur. De qui parlez-vous? Mais j'ai reçu une nouvelle instruction. Ils m'envoient pour surveiller votre baptême de l'air.
Vos mains sur le volant. Pas d'imprudence. Est-ce que mon frère a appelé ce matin? Non, monsieur. Est-ce que vous voulez que j'essaie de le contacter? Non, ce n'est pas important. Vous avez échoué, c'est un désastre, un authentique désastre. Le fait est que votre idée n'a pas fonctionné, Fritz. J'ai dû intervenir et prendre certaines décisions. Demandez à Barbara elle-même, vous le dira. Alors maintenant que le mal est fait, essayez de contrôler la situation. Tout ce que vous voudrez. Tout ce que je sais, c'est que la voiture de votre frère est tombée dans un ravin et qu'il est mort. Vous l'avez tué vous-même. Vous m'aviez pourtant dit que vous vouliez le sauver, mais vous l'avez tué. Vous m'avez menti depuis le début. C'est parfait, Fritz. Je suis sûr que vous serez d'accord. Ça vous fait les choses, hein? Vous voulez plus d'argent, Tom? Non, nous sommes quittes. Et c'est surtout par amitié que je l'ai fait.
Amitié. Je sais que c'est un choc, Barbara. Et je ne veux pas vous voir bouleversée. J'ai cru en votre plan. Vous étiez censé vouloir interner votre frère en clinique. Le forcer à affronter son traumatisme. Je vous ai cru. J'ai cru que vous alliez l'aider. Vous ne pensiez pas un mot de ce que vous disiez. Je disais la vérité. Il m'emmène à la carrière. Je sais ce que vous avez fait à Christian. Vous l'avez... l'avez précipité de ce ravin. Vous l'avez tué. La ferme. Si vous aviez suivi mes ordres à la lettre... Oui, oui, vous et ce vieux cinglé de Malcolm. Et cette Clorinda. Aucun d'entre vous n'a suivi les instructions. C'est vous trois qui avez conduit le pauvre Christian à sa perte. Vous avez été si faible que c'est lui qui vous menait par le bout du nez. Que se serait-il passé sans Tatum? Mais au fait, où est Tatum? Loin, je lui ai dit de disparaître immédiatement après l'accident. J'ai suivi vos ordres. Il a accepté le fric. Il va bien. Ne vous en faites pas. Assassin, vous devrez payer un jour. Va-t'en, elle reste ici. Nous devons parler tous les deux. Écoutez-moi avec attention. Comme Tom vous l'a dit, il ne s'agit que d'un accident. Ces accusations ne vous mèneront nulle part. Et votre ami, rappelez-moi son nom. Alex ? Il ne sait rien. Il n'a strictement rien à voir dans toute cette affaire. Laissez-le en paix. Vous feriez mieux de quitter la ville, Barbara, et vite. Une compensation. Libre à vous de l'accepter. Quant à votre ami Alex, vous feriez bien de lui dire. Je suis sûr que vous serez inventé quelque chose. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Votre frère a été tué. Si vous étiez amoureuse de Christian, je ne peux rien faire. Seulement, vous assurez que c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Notre cher Christian était schizophrène, paranoïaque. Il était fou. J'ai tout fait pour l'aider et le protéger. Son cas était désespéré. Je n'en crois pas un mot. Non. Je connais votre frère. Je sais que vous mentez. Vous devez me dire la vérité. Vous vouliez vous en débarrasser. Que ça soit dans un asile ou d'une autre façon. Vous vouliez garder le contrôle de votre saloperie d'usine. Il était malade. Malade. Malade et dangereux. Il l'a toujours été. Le seul méfait dont je sois coupable, c'est de ne pas l'avoir fait enfermer plus tôt. J'aimais mon frère. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? J'aimais mon frère. Vous êtes malade, Fritz. C'est vous le malade. Oubliez ça. Tout est fini. C'est une affaire classée, vous entendez? Ne dites rien à personne. Je ne dis rien à personne, Fritz. Non, pas un mot. Cela ne ramènerait pas Christian à la vie. Doute. C'est Christian. Inspecteur, voilà ce qu'on a retrouvé dans sa main droite. Dans ce triste accident, le véhicule du jeune héritier des fabriques Braquer a été retrouvé carbonisé dans la carrière. Selon les... Ce n'est pas lui, j'en suis persuadé. Vous entendez ce que je vous dis? C'est Christian qui a tué Tatum et maintenant il doit croire que nous sommes persuadés de sa mort. Alors dans ce cas, nous devons le retrouver. Ne vous en faites pas, Fritz. Aucune erreur ne sera commise cette fois. Non, mon cher ami. Vous en avez bien assez fait. Je m'en occuperai. Cette fois, nous n'avons plus le droit à l'erreur. Hé, hey, Franca. Comment est-ce que tu fais? T'as jamais froid? Oui, passé, Nadia. Comment tu veux que je sache? Nadia! Nadia! Elle était là il y a à peine une minute. Oh, elle a dû dégoter un peu. Elle pourrait prévenir, hein, je t'en foutrais, moi. Si seulement j'avais pris un peu de verre. Enfin, j'ai rarement entendu une fille se plaindre autant que toi, ma grande. Bon, en attendant, t'as vu comme tout ça pète, hein. Si tu sais pas t'habiller. Oh, je commence à en avoir plein les bottes. C'est vrai, on serait mieux au chaud. Je te dépose, mon cœur? Ouais, merci. Y a pas de quoi. Hey, t'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me feras pas croire que t'es timide.
Non, c'est gentil, vous êtes arrêté. Où est-ce que tu as la tête? C'est encore trop tôt. Trop tôt. Ah, tu sais ce que j'en dis? Qu'on devrait s'arrêter pour prendre une petite bière dans un endroit tranquille. Il y a un hôtel à 200 mètres. Un hôtel? Pourquoi un hôtel? Pourquoi? C'est un endroit comme les autres, mon chou. On y va? Arrêtez-vous. Je veux descendre. Arrêtez la voiture. Bon. Tu n'aimes pas passer la nuit dehors, n'est-ce pas, chouchou? Tu devrais aller chasser les souris. Mais j'ai cru que c'était un voleur. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler avec toi, c'est important. Je te dérange? Non, pas du tout. T'as eu de la chance de me trouver. Je pensais que t'étais avec Barbara, en pleine lune de miel. Ne me parle pas de Barbara. Je ne suis pas venu pour parler d'elle, mais bien de moi. Très bien. Je suis tout ouïe. Alors? Par où commencer? C'est dur à expliquer. Il m'est arrivé des choses absurdes depuis les deux derniers jours. Je me suis vu impliqué dans une horrible situation, un puzzle effrayant. Il y a eu ce tueur, et Malcolm et Clorinda. D'accord. Est-ce que tu pourrais être un peu plus clair? Je ne suis pas d'humeur à résoudre des énigmes. Il va falloir que tu m'aides. Est-ce que tu connais mon frère Fritz? Tu me l'as présenté l'année dernière à une convention sur la prévention de la pollution. Et ce n'est pas un coureur de jupons, contrairement à toi. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Et tu le crois capable de faire du mal? À moi, par exemple? Je n'en sais rien, je crois. Fritz et toi, vous... Ouais, non. Nous avons grandi ensemble. Nous nous aimons. Du moins, je l'aime. Rends-moi service. Appelle-le. Il doit être encore au bureau à l'heure qu'il est. Oui? Oui, allô? Avec qui est-ce que... Pardon de vous déranger, monsieur. J'ai vu de la lumière, alors je me suis dit... Je suis terriblement désolé de ce qui vient de se passer. Merci. J'aimerais être seul, Carlo. Vous pouvez rentrer chez vous, je vais rester. Vous ne voulez pas que je fasse ma ronde? Rentrez chez vous, la journée sera longue demain. Et laissez la réception ouverte, j'attends une visite. Très bien, monsieur.
lui a fait un excellent travail. Voilà pourquoi je t'ai toujours admiré, Fritz. Pardon de te surprendre, mais je suis en vie. Surpris ? Non, il n'y a rien d'étonnant, Christian. Tu es revenu. Tu sais que rien ne m'étonne, pas même un corps carbonisé, un corps étrange. Impersonnel, tu sais que je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien. Je comprends, Fritz. C'est à cause du meurtre de papa. Il faudra un jour l'élucider. Nos problèmes finiront par disparaître, n'est-ce pas, Fritz ? S'il te plaît, ne mentionne pas notre père, Christian. Malcolm ? Ouais, oui, tu as toujours pensé que j'étais responsable de la mort de notre père, c'est ça ? Et tu as toujours essayé de m'en convaincre. Le rapport d'enquête déclare que notre père s'est suicidé. Ça n'est pas grave. Je ne veux plus te protéger, Christian. Je ne te demande aucune explication, je te l'ai dit. La mort de ce garçon est un vrai choc, je mets à ta place. Toute cette affaire est horrible, insensée. Maintenant, il faut que tu oublies tout ça. Laisse-moi t'aider. Heureusement que tu es là. Je ne sais pas ce que je ferais sans... Je vais t'emmener loin d'ici. Allons-nous-en. Je vais dans mon hôtel. Les billets d'avion doivent être prêts. Attends-moi. Je me dépêcherai. Ou... tu veux venir avec moi ? Non. Je ne crois pas. Je ne veux voir personne. Vas-y, mais dépêche-toi, s'il te plaît.
Non, c'est impossible. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est bien moi. Je suis là. J'ai tant de choses à t'expliquer, Barbara. Il faut que tu saches la vérité. J'ai fait des choses terribles, Christian. Je sais, Barbara. Je sais, je t'aime. Alex va revenir. Je sais. Allons-nous-en. J'irai n'importe où avec toi. Et nous partirons jamais. Personne ne nous retrouvera. Barbara. Barbara. Allez-y. Tirez.
D'après nos dossiers, votre grand-père Willy Bowman est décédé dans cette clinique le 2 mars 1943. Ce qui confirmerait notre diagnostic. La maladie de votre frère Christian est bel et bien héréditaire. J'insiste donc pour que vous procédiez à son hospitalisation avant que sa santé mentale ne dégénère. Comme je vous l'ai déjà dit, votre frère pourrait adopter un comportement criminel. Je vous donne jusqu'au 30 septembre pour le conduire à la clinique. Dans le cas contraire... Oui ? Oui, c'est lui ? À côté de son hôtel, vous en êtes sûr ? Dans 20 minutes, oui, merci. La maladie de votre frère Christian est héréditaire. Sa maladie est héréditaire. 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 Héréditaire.